soit au nom de toute l'équipe du film. On court dans les ciné depuis ce matin, mais je tiens malgré tout à m'excuser. Ça fait une heure qu'on vous fait attendre. On est désolé du fond du cœur. Voilà, on est vraiment désolé. C'est pas normal et on n'a pas d'excuses. Alors on s'excuse, Rouen, vous avez été à l'heure et on est vraiment désolé. Arrête de faire la faux cul, toi. J'espère vous me pardonnez. Vas-y, quoi ? Vous étiez en avance ? Oui. Pour ceux qui sont venus à l'heure, ils ont attendu une heure. Moi, je suis responsable de une heure d'attente. Ton attente d'avant, c'est un peu facile. Responsable. En tout cas, on est extrêmement content d'être ici à Rouen, messieurs, dames. Tu vois, je suis en train de parler avec plein de gens, t'as vu ou pas? Si elle me tend des chocolats, genre, bah, prends-les. Je suis extrêmement content d'être ici, messieurs, dames. Moi, Rouen, de toute façon, c'est ma ville préférée en France. Toujours quand j'étais petit, ma mère, elle me disait, tu vas aller où en vacances? À Rouen ou à New York? Toujours, je disais, bah, je préfère aller à Rouen, c'est mieux. Bah oui, parce le gros horloge, tout ça. Au moins, par rapport à New York, au moins, et ben, là-bas. Donc on est très contents de ce film, Les Nouvelles Aventures d'Aladin, qu'on a tourné l'année dernière entre le Maroc, la France et la Belgique. Ça a été un vrai plaisir, un vrai bonheur de faire réexister cette histoire qu'on connaît tous, ce conte des mille et une nuits. Donc on est ravis d'être avec vous cet après-midi. On aimerait vraiment, sans trop vous parler du film, puisque vous allez le voir dans quelques instants. Enfin, après tant d'attente, nous allons enfin vous montrer le film. Mais j'aimerais quand même vous dire merci d'être si nombreux. Vous êtes très nombreux aujourd'hui à venir voir le film ici, au pâté de Rouen. Et ça fait extrêmement plaisir qu'il y ait autant de monde, autant de gens qui aient envie de voir ce film. On voit que vous êtes venus en famille, on voit qu'il y a des jeunes, on voit qu'il y a des moins jeunes, hein, on voit qu'il y a de tout. Non mais c'est vrai, ça fait vraiment plaisir. Alors merci à vous d'être venus en nombre, parce que c'est génial quoi, de vous voir, surtout un dimanche, de nous donner de votre temps pour le dimanche, pour venir voir notre film, c'est énorme. Alors que le dimanche c'est quand même un jour, on sait que le dimanche par exemple à Rouen, il y a quand même un paquet de choses à faire. Donc ça fait plaisir de voir que finalement, bah, vous êtes là, vous êtes au rendez-vous. Merci en tout cas, Rouen, de votre accueil. Et j'espère sincèrement que vous avez kiffé ce film. En tout cas, merci d'être si nombreux et merci d'être venus en famille voir Les Nouvelles Aventures d'Aladin. Ça fait chaud au cœur. Chaque fois que je viens chez vous, je me sens soutenu pour ma part. Alors merci, restez comme vous êtes et vive Rouen. Je passe tout de suite la parole à mon ami que vous connaissez mieux sous le nom de Slim, bien entendu. Sur W9 depuis quelques années maintenant, il est vrai que c'est un acteur de talent, il est vrai que c'est un acteur qu'on apprécie tous beaucoup de par ses farces et ses petites mascarades. Il est là ce soir, merci d'applaudir très fort, William Le Blid. Encore plus fort, William Le Blid est là, monsieur. Énorme. Ça va, tranquille? Bah oui, on est vraiment désolé de ce retard. Nous, c'est pas comme si on avait l'habitude d'être en retard. Ouais, bah oui. Bah, en tout cas, on est très touchés de l'accueil que vous nous réservez. C'est extrêmement touchant. Bah alors. Elle a dit si ça se trouve, ils étaient en train de manger un kebab. Effectivement. Et non, mais on est très touchés de. Nous, justement, on mangeait des kebabs sur un banc avec Kev pendant très longtemps et on a eu l'occasion l'année dernière de partir au Maroc pour faire un film un peu exceptionnel. On a fait du tapis volant, des combats d'épée, on a chevauché des chameaux et des chamelles. Et c'était une expérience un peu assez formidable. En fait, c'était un rêve de gosse qui se réalisait pour nous. Arrête. Par exemple, je ne sais pas si on voit bien là, mais moi, c'était un rêve de jouer en robe. Donc voilà, tout ça c'est réalisé. C'est pour ces films-là qu'on est en train là, on connaît bien. Finalement. De venir dans les salles. Mais c'est pour ça qu'on vient, c'est pour vous voir et pour vous dire merci, puisque c'est grâce à vous si on a l'occasion de faire des films comme ça. Et en tout cas, on a tout donné pour. On a donné le meilleur de nous
pour faire le meilleur film possible. Et on espère vraiment que vous allez kiffer, parce que nous, on a kiffé le faire. Voilà, merci beaucoup. Et on va... Je vais... Merci. On va maintenant, s'il vous plaît, celui-là. Du bruit pour William Le Blin. On va maintenant, messieurs-dames, accueillir le réalisateur du film. C'est son premier film, certainement son dernier, n'est-ce pas, William? Je sais pas. Vous allez en juger par vous-même. En tout cas, il est là, il est très excité, je crois, d'être à Rouen devant cette salle. Il est très excité, il nous l'a dit dans la voiture. Il nous a dit, je suis pressé d'être à Rouen, car je suis excité d'être à Rouen. Il est là, messieurs-dames, faites un maximum de bruit pour le réalisateur du film, s'il vous plaît. Ça va, Rouen? Ouais! La gorge, je suis un petit peu en Rouen. C'est nul, hein! C'est nul! Merci, Arthur Besmoussière. Merci à toi. Alors, on va vous dire la présentation en présentant les autres membres de l'équipe du film. Je fais toujours une très bonne blague pour commencer. Très bonne blague? Non, mais écoutez, c'est très touchant quand une salle remplie comme ça. On est encore sincèrement désolé. C'est Kev qui avait mangé un truc particulier, je crois, juste avant de venir. Ça nous a retardé sur la route. Mais on est vraiment... Excellente blague à toi, Arthur. C'est ma présentation maintenant. Okay, c'est chacun son tour. Je souligne cette petite. Oui, c'est chacun son tour. M'en fous, je t'écoute pas. Là, 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 là. Là, c'est ma sœur. Vous, c'est moi que vous regardez. C'est moi. C'est ici que ça se passe. Ok. Donc en fait, on a tourné pendant 3 mois au Maroc. C'était une expérience exceptionnelle. Donc voilà. Je dois avouer que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de pouvoir faire des projets comme celui-ci. Donc j'en profite pour remercier déjà. Donc voilà, il n'y a pas toute l'équipe qui est venue pour présenter le film aujourd'hui. Et ils sont de tout cœur avec nous. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, Jean-Paul Rouve, Éric Judor, Michel Blanc, Audrey Lamy, Vanessa Guil, Albert Sardel, Fadza Bouyamed, François Lecture d'affiche. Le mec lit l'affiche. Je pense qu'en une heure, ils ont eu le temps de lire l'affiche. Ah bah ça. Mais merci de le refaire, Arthur. Alors, donc, merci d'applaudir. Voilà. Je suis concentré maintenant. Je me reconcentre. Voilà. En tout cas, Arthur Pulenlaine. Arthur Pulenlaine, c'est bien. Non, voilà, on a beaucoup travaillé. D'un côté, comme vous avez pu le constater, c'était une joyeuse colonie de vacances en tournage. Et d'un autre côté, on a été très studieux. On a essayé d'être à la hauteur du magnifique scénario écrit par Dave Cohen, s'il vous plaît. Et à la hauteur de la confiance accordée par notre producteur Daniel Torchman, s'il vous plaît. Voilà, c'est encore une fois, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de faire des grands films d'aventure comme ça. Donc voilà, on espère juste que vous allez ressentir cet amour qu'on a mis dans le film, cette sincérité, ce travail, et qu'on vous emmènera en voyage pendant 1h45 et que ça vous fera même oublier notre heure de retard. Voilà. Si ! Tu crois pas ? Ok, moi je dis tu crois, ok ?
Juste tu crois, toi. Ah, ok, si tu crois, moi, tu vois. Merci à vous. Et je repasse la parole à Kevin. Kevin, merci. Avec plaisir, Arthur. S'il vous plaît. Arthur Ben Laden, Arthur Bollard est avec nous aujourd'hui. On est très content, comme on vous l'a dit, de vous présenter ce film Rouen. On va bientôt vous laisser avec le film. On voulait juste vous dire que vous êtes les tout premiers. On veut une photo. Alors, tu vas me calmer, déjà. Mais je vois bien qu'elle pleure. Alors, c'est de ma faute si elle pleure. C'est son anniversaire. Alors, pourquoi son anniversaire être mieux aussi. Parce qu'elle a attendu longtemps, là, elle pleure. C'est l'anniversaire de qui, au juste? Oui, merci. Il faut pas pleurer parce qu'on attend longtemps. Alors. Kev, est-ce que tu... L'anniversaire. Je prends. L'anniversaire de... Joyeux comment tu t'appelles? Joyeux anniversaire. C'est génial, elle se remet en route. En tout cas, Rouen, merci d'être là. Vous êtes les tout premiers à voir le film aujourd'hui dans la région de Rouen, sachez-le. On vous demande une chose à la fin du film. S'il vous plaît, donnez-nous votre avis, frère de cheveux. Donnez-nous votre avis. Ouais, énorme. Énorme. Est-ce que toi aussi tu as du bide pour moi? Tu peux te lever peut-être. Ah ouais. Le sosie officiel de Kevin Adams. C'est son sosie. Kev, oui. Tu viens de présenter un des acteurs du film. Bien sûr. Il est là. Alors, comment tu t'appelles? Dimitri Tangeman. Et où sont tes parents, Dimitri Tangeman? C'est ton papa, ce monsieur-là? Oui. Et alors, il t'a forcé à venir? Non. Venu de ton propre gré. Et tu es dans le film, Dimitri? Oui. Alors, c'est vrai que tu es dans le film, Dimitri, parce que tu es un des enfants. Donc, sans trop en dévoiler, vous allez voir Dimitri au début du film. Tu fais partie des enfants qui sont à qui je raconte l'histoire d'Aladin. Oui. Alors, est-ce que tu as fait des castings ou est-ce que c'est simplement parce que ton père est le producteur, tu penses? Est-ce que c'est parce que le réalisateur est ton parrain, tu crois? Oui. Ah. Allez, file voir ton père producteur, petit chacal. Donc on voulait vous dire que vous êtes les tout premiers à voir le film aujourd'hui, Rouen. Donc s'il vous plaît, donnez-nous votre avis à la fin sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, avec le hashtag Aladin, le film. Le hashtag pour les plus vieux, c'est le dièse, comme ça vous savez. En tout cas, sachez-le, on est ravis de vous prendre ce film, on est ravis de vous... Je vais les prendre, les chocolats, je les prends parce que je sens que ça t'énerve. Merci beaucoup. Fais-moi un bisou et arrête de pleurer, ça suffit les conneries maintenant. Yes, au top, c'est pour moi la casquette. Ah là là, elle est très belle. Bah, écoute, t'es très gentil. Hein. C'est très gentil. Alors écoute, on t'a eu un bisou déjà, c'est-à-dire plus que beaucoup d'autres gens. Alors de là, demander en plus un bisou, laisse-moi s'il te plaît terminer ma relation avec moi. Mais j'ai vu. Vraiment, on est ravis. Monsieur Dave, j'aimerais simplement vous remercier. J'aimerais vous laisser une petite boîte pour moi. Merci. Il y a plein de mots dedans. Je vais juste dire aussi. Merci. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Pour tout ce que tu as fait depuis longtemps. On est chers de toi. C'est gentil.